Tous les matins, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un de notre âme. Réveille le matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, j'ai dormi. Pas réponse, tant pis. Putain les gars, abusez. Papa, réveille-toi. Lève-toi. Laisse-moi dormir là. Police, sortez les mollets. Il ne vous sera fait aucun mal. Ah bon, non, espèce de taré de gueuler comme ça. Et dingue, lui. Tu peux pas m'apporter le petit déj, là, un truc normal, le rêve. Si tu me disais un peu ce que tu fais là. Eh ben, je déjeune. Ah, mais attends, je t'ai pas vu depuis 4 ans et tu débarques comme ça un soir à minuit, et là, c'est moi, je déjeune, youpi. J'ai fait du transport de marchandises entre la France et la Belgique, voilà. Quel genre de marchandises, s'il te plaît? Un peu de... Tu peux préciser? Oui, je peux préciser. Il y avait un peu d'alcool, de cigarettes, enfin des bricoles, quoi. Quoi, comme genre de bricoles? Oui, t'as dit des bricoles! Bon, bah, les codes, voilà, d'alcool, de la coke, du GHB, de l'extasie, enfin. Bravo, super. Alors là... Mais attention, hein! Moi, j'étais un dealer honnête! Tu sais pas ce que c'est, la prison pour un homme? Oui, mais c'est pas vraiment envie de savoir, figure-toi. Ouais, mais en plus, j'étais innocent! Moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est où est-ce que tu comptes vivre? Là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Ouais. Là, ici? Tu veux dire ici, chez moi, dans mon appartement, là? Pourquoi? T'en as un autre? Bah, j'ai plus, je sais pas, t'aurais pu... Mais Fanfan, tu sais, moi, ce que j'aurais envie, c'est d'être un ringard comme toi, là. Mais c'est vrai, oui, un super ringard. Mais toi, j'ai envie de me ranger, de... Tiens, tu vois, d'être un mec honnête, de payer mes impôts. Je suis sûr que t'es puceau. Mais non, je suis des puceaux. Il est puceau. Mais non, je suis pas puceau. On est en relation avec pistolet, je te signale. Et puis quoi? Épistolaire, ouais. Et puis attends, épistolaire, c'est un truc sadomaso, là, tu sais. Avec la boule dans la bouche, puis le fouet, et pistole moi, vas-y. Et pistole moi, oh oui, ma fille, non. Oh vas-y, pistole, oui, pistole. Ah, vous dans la texte, là, on tuit. Ah, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Un peu comme madame. On est content d'être au premier rang, hein. Non, mais c'est vrai. Comment elle est charmante, cette dame? Mais absolument. Comment qu'elle s'appelle, d'ailleurs? Ça vous intéresse? D'accord. On se dit quoi? 19h sur le parking de l'immeuble? Ouais, bah c'est ça, ce soir. Yeah! Je vais faire une petite vente, ça va être génial. Papa? Hein? Je t'ai entendu? Oui. T'as prévu de vendre une BM, c'est ça? C'est possible. Mais tu n'as pas de BM. C'est possible. Et moi non plus. C'est possible. Alors, tu m'expliques? C'est tonton Patrick, tu connais. Oui, ça lui, c'est le salon de l'auto toute l'année. Ouais. Voilà, du coup, on en a trouvé une, quoi. Où ça? Sur le parking de la gare de Melun. Non, ce soir, tu passes à 21h. Ah, d'accord, je serai là. Salut, mon Vladi. Bientôt. J'ai hâte. Oh, putain de merde. Ça va, papa? Non, ça va pas. Vladi, c'est le gars que j'ai connu il y a 6 ans qui m'a prêté l'argent. Il passe ce soir à 21h pour récupérer la monnaie que j'ai pas. C'est le genre de type qui va me faire une salade avec ses doigts. Là, il va m'arracher les couilles avec un crochet. Oh, là. Hey, il faut que je trouve une arme. Il faut un sabre, un flingue, une calache, une corde. On le pousse dans la baignoire avec un séchoir à cheveux et paf, comme Claude François. Raide le Vladimir. Mon fils, il se prend pour Dupont de Ligonnès. C'est ses filles qui vont être tristes. Ah bon? Il avait de la famille? Non, bah, c'est tout comme. Les filles de l'Est qui travaillaient pour lui. Tu l'as sorti. Pourquoi? À 50 ans, tu vas vivre avec un ours en peluche? Crie pas, tu lui fais peur. T'es vraiment nu. Je te rappelle qu'on a toujours un cadavre à faire disparaître. Mais il crie fort. Bon, il a fallu s'organiser parce que c'est toujours pareil, il faut acheter du matériel, tout ça. Puis on n'avait pas de local, hein, vraiment, on faisait ça un peu comme ça. Donc on a été obligé, moi j'étais obligé d'aller chez ma mère, quoi, puis de les mettre là-bas, les filles, quoi, pour qu'elles soient bien.
Non mais c'est important, mais si, vous rigolez, mais c'est pas drôle. Vous vous rendez compte, il a fallu qu'on achète comme tout le monde, des masques, du gel. Enfin bon, du gel on en avait déjà avant, mais c'est pas bien. On avait déjà... Qu'est-ce que c'est que cette tenue là? Ah oui, ça? Oui. C'est parce qu'il n'y avait pas de fille dans la cellule. Et j'ai perdu au tirage au sort. Quoi? Ça se bagarre parce que j'ai planqué un gros paquet d'extasie sous le châssis. Putain! Je vais te crever! Dégage, je que je t'explose! En tout cas, merci à vous, messieurs-dames. On vous souhaite de bonnes fêtes et de passer de bonnes soirées. Soyez heureux. Merci beaucoup!